tranquilos, que van a sacar un muerto. Yo yo yo, on a traversé le désert espagnol pour trouver le soleil. On a fui l'ombre, on a fui la mauvaise météo de Saint-Sébastien. Il fait beau, 15-20 degrés, soleil, pas de vent, franchement trop bien. A la base on voulait aller à Saragosse, parce que Saragosse il y a du spot là-bas. Problème c'est qu'il y avait trop de vent, il y avait genre 30-40 km/h de vent, ça faisait trop chier. Et là on est à Requena, on va visiter les spots en espérant qu'il y en ait pas mal. La nuit c'est éclairé, on a kiffé hier soir, on a fait du street workout, on a fait des handstands jusqu'à pas d'heure. Il y a un sacré spot, on est à côté d'un hôpital. Donc au pire des cas, s'il n'y a rien à Requena, on ira ici. On va prendre des trottinettes et let's go. Bon, on vient tout juste de traverser la ville et du coup, on se retrouve sur un petit spot là. On va chercher des challenges à faire et on va s'échauffer ici aussi. Là-bas, il y a un pont qui a l'air sympa, donc on verra, il y a peut-être des drops à faire. On va voir, go échauffement et c'est parti. Il y a 3 pas, il en faut 2. Il faut 2 pas, pas 3. Pas 3, non, non. 2. Yo, on est en plein échauffement là. Du coup, ça part en acrobatie. C'est l'impro là. C'est dégueulasse hein. C'est quoi ce coup de foule minable? Il était minable. Je suis excité comme une petite puce. Il fait tellement chaud ici. Yo, je manque encore un peu d'énergie. Faut que je me chauffe encore un peu plus. Frisbee, je mets un shoot là-dessus. Et à la fin ça fait. Wow, ça glisse beaucoup là. Premier défi du spot, faire le petit 3-6 press de là à là. Allez, au mieux à le faire en press d'abord. Pas mal. Bon allez à moi. Je vais faire confiance en mon instinct. J'ai peur hein. J'ai pas les couilles. Non, si j'ai les couilles. Je stick. Oh. Désaxé. Mauvais en 3-6 press. Next challenge. Challenge à la mormoineux. Allez, c'est parti pour un petit chabra là. Je vais tenter celui à côté, il est plus loin mais il accroche. C'est mieux. Bon, on vient tout juste de bouger de spot. Vraiment, on a bougé à 2 mètres. On est sur le pont avec une architecture pas trop mal. Le genre de pont à base de drop, quoi. Beaucoup d'impact. Et le blème, c'est que j'ai un genou en vrac. Ça serait pas ouf de me prendre des impacts. Mais j'ai quand même une idée, donc je vais voir si je peux la faire. Et si mon genou est apte à pouvoir le faire. Ça serait sympa de faire une descente ici. Petit passement, tac, drop. Demi-tour. Popcast, classique. Je vais me prendre des petits impacts et voir si mon genou crie ou pas. C'est abusé hein. Dès que j'arrive ici, j'ai envie de péter. Non, je te jure, c'est vrai. C'est pas un blocage mental. Ça me saoule. C'est un pack. Les temps d'arrêt. Thank you.
pas une podcast. En fait, je suis obligé de me recaler mes pieds à chaque fois que j'ai des pieds qui glissent. Ça me perturbe mentalement, du coup, je suis obligé de me recaler pour y aller. Ça me gave. Ok, bon, on bouge le spot, on va à l'hôpital qui est juste à côté de là où on a garé le van. Let's go, on y va, on va voir. On vient tout juste d'arriver sur le pot de l'hôpital, on est dans le parking. Donc ça va, ça craint pas trop, on n'est pas trop... On va pas trop déranger, je pense. Il y a des petits murs, après si je commence à monter sur les toits, là peut-être qu'on risque de me saouler. En plus les espagnols ils sont pas commodes. Voilà, on verra tout à l'heure si je me chauffe à faire des trucs. Parce que là j'ai quand même mal aux jambes, des drops que j'ai fait il y a 20 minutes. On va se réchauffer tranquillement en faisant des petits drops, tac 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 tac, courir, passe-muraille. Et tout ça de manière efficace. J'essaie de faire une roulade côté gauche sur béton. J'ai pas trop l'habitude de faire ça. Je vais voir si j'arrive à amortir un saut de chat avec ma mauvaise roulade. Hier j'en ai fait quelques-unes et j'ai un os là qui me tape le sol quand je me rate. Et ça me dégomme. Après j'ai un bleu toute la soirée ou même la à vie. En fait j'ai un bleu ici tout le temps. Il part pas. Oh putain. Oh, les murs là ils sont cassés. Oh, zéro confiance en ces briques. Ça bouge. Je sais pas si vous voyez ça là. C'est creux. On va pas trop faire les fous sur ce pot. Il est pas très solide. Chiant quand même hein. Il est parti. Il y a que j'ai pas très confiance au mur qu'il y a là, mais j'ai quand même envie de faire un front press. Ça serait stylé un défi en mode je monte hyper vite, tac tac tac, et je descends en front press et je redescends très rapidement. Je suis beaucoup plus confiant sur mes front press là où j'atterris sur un endroit large, genre une bordure comme ça, plutôt que sur un front press où j'atterris dans la longueur. Et ça, c'est un front press sur la longueur. Donc ça va pas trop m'aider. Surtout avec mon désaxage, pas très fort à ça. Faudrait que je me fasse une sorte de repère dans la longueur. Hop là, nickel. Bon là, je viens de faire une planche. Et ça a cassé le mur qu'il y a là. Ouais. J'ai pris une prise, elle s'est effritée sous mes doigts. Et j'ai peut-être passé par là, c'est plus solide. Il met pas hyper en confiance hein. Le départ glisse. Et ça s'effrite là. Ce mur là, quand tu le vois, tu te dis jamais il va tenir. On vient de me griller là. Il faut que je fasse vite. Parce que sinon ils vont appeler la police là. Ah j'ai peur. Bon finalement je vais le faire en webster parce que mes frontes, j'ai atterri à côté depuis tout à l'heure. J'ai du mal en fait à axer mes frontes et du coup là ça va pas, pieds joints, j'arrive pas. Donc en webster j'arriverai mieux. Yeah. Ok. Ok, ok, oui, move. Por ahí podéis estar. Aquí no es que van a sacar un muerto. Ok, ok, ok. Don't worry. No, French, but we speak English. No? Ok, ok, we move. Don't worry. Por aquí nada, ¿vale? No problem. Thank you. Ok, bon, comme vous pouvez le voir, on vient de se faire virer par la sécurité. Et j'avais une idée de combo, mais bon, tant pis. Hein. Bon, bah. Fin du vlog, fin de training. Demain on va à Denia, ça a tourné une POV. Mettez dans les commentaires si vous trouvez ça intéressant de vlogger un peu les POV. Ou si vous préférez les vlogs de training comme ça. Lâchez un petit pouce bleu parce que franchement ça coûte rien. Et puis moi pour le référencement ça m'aide beaucoup beaucoup. Et en plus de ça, ça me fait super plaisir. Je prends ça comme un soutien direct. Ciao ciao, à très très vite. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. Dans la prochaine vidéo on part à Denia. On prend une journée entière pour tourner une POV. Le lendemain on retourne sur les spots et on se lance pas mal de défis. Active la cloche pour ne rien rater. La bise, à la prochaine. Ciao.